Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité ou avec attention pour Télévision Nationale d'Haïti. C'est moi-même, Faina Oulan, et toute équipe Télévision qui compte entre la caillou pour porter revue ce maintenant pour vous. Revue ce maintenant, c'est un espace côté TNH permet de retourner ensemble avec sous ensemble informations qui te kembe actualité pendant toute semaine. Et je dis à ce samedi 3 février 2024, revue ça prend en compte semaine sortie lundi 29 janvier 2024 là pour arriver vendredi 2 février 2024 là. Restez connectés ensemble avec nous parce que nous parlons de bonnes informations sur plan politique, touriste, conjonctif globalement. Dans quelques secondes, nous allons démarrer avec l'information qui était Kembe, journée information lundi 29 janvier 2024. J'en ai annoncé que nous avons démarré avec la journée lundi 29 janvier 2024, là, côté pays États-Unis renouvelé l'engagement dans le déploiement de mission multinationale soutien à la sécurité en Haïti. L'autorité américaine nous dit qu'elle prend note sous décision la Cour suprême pays Kenya prend concernant la mission multinationale en Haïti et l'intention du gouvernement pays Kenya manifesté pour contester la décision la Cour suprême prend pour interdire le déploiement policier kenyan dans la mission. Porte-parole département d'État américain Matthew Miller dit pays États-Unis a continué supporter et puis encourager communauté internationale à mener des marches pour faciliter force multinationale à entrer en Haïti. Puis loin gouvernement américain à travers ambassade en Haïti mandé acteurs politiques haïtiens chercher chemin entente selon chargé d'affaires américain en Haïti Eric Strohmayer c'est consensus à élection qui pi bon route pour mener Haïti sur route démocratie. Nous lisons la décision du tribunal République Kenya concernant le déploiement policier kenyan dans le cadre de mission support sécurité multinationale, la MSS, en Haïti. Nous avons tout, déclaration du gouvernement Kenya, côté l'effet qu'on est volonté li pour contester la décision. Les États-Unis pourront continuer à supporter l'effort international qu'ont fait Kounia pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. Jean, résolution 2699, Conseil sécurité Nations Unies, t'es autorisé ça. Tant que résolution 2699 là, t'es souligné ça. Support international pour la police nationale haïtienne, essentiel pour combattre bandits et rétablir sécurité en Haïti. N'a pas continué à encourager la communauté internationale là pour les bail support pour mission MSS là. États-Unis a félicité pays qui t'ont confirmé, publiquement ou bien en privé, engagement ressourciaux, tant qu'Antigua, Barbade, Bahamas, la France et Jamaïque. N'a pas continué à lancer un appel en faveur d'un processus politique qui inclut tout le monde en Haïti. Seul chemin légitime, là, c'est à travers élections libres et justes. Créole parler, créole comprend. Engagement nous envers peuple haïtien, restez solide. États-Unis pourra continuer à supporter l'effort international qu'a fait Kounia pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. La communauté internationale là doit bailler en urgence support pour sécurité et stabilité pour le peuple haïtien. Ensemble, nous devons combattre la violence qui empêchait Haïti d'avancer et puis garantir la paix et la sécurité pour tout le monde. Dossier conjoncture était dominé actualité il faut ça c'est gouvernement haïtien qui fixait position sous dossier déploiement mission multinationale là en Haïti. Gouvernement haïtien remercie président pays Kenya William Ruto et tout peuple kenyan parce qu'il a accepté pour diriger mission multinationale là en Haïti. Gouvernement dit l'a suivre évolution situation dans pays Kenya pendant l'espérer y a une décision positive qui prend avant longtemps. Gouvernement haïtien remercie tout yon ensemble pays qui manifestent volonté pour bay divers types bourrades, yon manière pour permettre la paix rétablie en Haïti, j'en sa prévoit dans résolution 2699 Conseil sécurité Nations Unies. Gouvernement haïtien profite mandé toute force vive nation pour mettre tête ensemble dans une gouvernance collective côté tout monde la donne. Pour prendre route élection dans un temps qui n'est pas trop long. Le gouvernement profite d'inviter la population à être calme par rapport à toute menace qu'elle a été capsibie en bas de l'examen qui passe pour ne créer panique dans le temps. Pendant encourager tout le monde pour ne pas quitter et prendre un piège des informations, le gouvernement invite à mener activité comme ça doit.
toujours dans le journal indien, il faut ça, c'est dossier éducation et société. L'École nationale des arts, ENAD, fait rentrée académique pour nouvelle promotion le lundi 29 janvier 2024. Là. Dans l'occasion, le directeur général là, Yves Penel a annoncé changement qui gagne dans le niveau infrastructure l'école là, avec l'administration. Étudiant promotion tout neuf, ça, qui peut passer 4 années à ne pas prendre dans l'espace là, a bien poursuivre cours dans plusieurs disciplines tant que théâtre, danse, musique et latrier. Plus de détails dans le micro, Fanon Delphin avec Michel Joseph. Ça, c'est année préparatoire, mais il y a un étudiant qui est en première année. Dans ce sens, il y a un étudiant qui a passé 4 ans là, ici, là, ensemble avec nous, qui dans plusieurs disciplines, il y a là, qui dans théâtre, qui dans danse, qui dans art plastique, qui dans musique, qui normalement, il y a pour passer 4 ans, histoire de l'art, il y a pour passer 4 ans ensemble avec nous. Il y a des concours qui ont été faits ici, là, après le concours. Ça, maintenant, il y a des résultats. Il y a des qui réussissent, il y a des qui pas réussi. C'est concours. Mais il y a près d'une centaine d'étudiants qui inscrits là, plus 95 déjà, qui étaient déjà là, qui vont la première année. Il y a un pile problème ici. Alors, à part de l'infrastructure que nous-mêmes nous avons, mais tu as un problème d'administration, tu as un problème côté que harmonisation, côté que les gens ne peuvent pas entendre là. Mais maintenant, c'est une grande famille, la grande famille de l'ENART, côté que tous professeurs, étudiants, employés, tout le monde font seul. Et maintenant, nous sommes capables de dire que l'école là vient fonctionnelle en. Avec harmonisation, côté une respecter l'autre. En pile cadre dans le pays, il n'y a pas là encore. C'est eux-mêmes qui pourraient remplacer cadre. Ils ont même intérêt pour être d'accord chita à l'école, pour être d'accord apprendre ça et pas apprendre bien. Pour qu'on y ait, nous pourrions parler de justice. Dans des correspondances livrées par le Conseil supérieur pour voir judiciaire, lundi 29 janvier 2024, le ministère de justice et sécurité publique a annoncé la nomination de plusieurs juges dans le système judiciaire. Selon la correspondance, Sayo, Ferry Bernard nommé juge siège dans le tribunal première instance Grand Rivière Nano. Genèse Surpris nommé juge siège dans le tribunal première instance Saint-Marc. Gentil Matifa nommé juge siège dans le tribunal première instance Coteau. Dans le tribunal spécial travail, Marie-Jalise Nord, nommée comme juge siège. Ludmirla Nino Moïse, joint nomination comme juge siège dans le tribunal première instance, Port-au-Prince. Pierre Richelet Joseph et Jean-Salomon Couteau, nommé juge siège dans le tribunal première instance au CAI. Et puis Sonny Dorant, nommé juge siège dans le tribunal première instance à Quin. Magistrat Michel Dalix, Jacques Jean et Anofen Maître, ses nouveaux juges et puis juges instruction dans le tribunal première instance Jacques Mel. Toujours d'après correspondance au ministère de justice mandé, CSPJ prend disposition nécessaire pour accueillir prestation seulement nouveaux juges. Na ferme parenthèse pour journée diag dossier touriste côté ministre touriste là Luce Kota Cassandra François chita parler avec secrétaire général organisation mondiale touriste là Zourab Polikashvili jeudi 25 janvier 2024 là dans siège organisation qui trouvé dans ville Madrid dans pays l'Espagne. Discussion ont été déroulée sous nécessité pour renforcer résilience secteur touristique là dans région Caraïbes là nécessité pour bien bon gens formation qui bail sur hôtellerie et tourisme avec élaboration d'un guide investissement touristique et nouvelle stratégie pour développement touristique à partir de région Nord. Ministère Tourisme à OMT entend pour le travail pour renforcer la compétitivité pays d'Haïti comme destination touristique dans les Caraïbes. OMT dit li paré pour offrir service li dans le domaine formation pendant li annoncé l'abgain pour réaliser une mission dans nos pays pour venir garder qui j'en li ka travail avec Haïti sous quelques projets touristiques dans le jour qui venir. Dans une parenthèse pour journée mardi 30 janvier 2024, le gouvernement haïtien est en tête collée à le commandement de la police nationale avec plusieurs autres partenaires, tant que BINU et NUD réalisé première rencontre mardi 30 janvier 2024 sous programme appui comité pilotage pour PNH. L'initiative visait à renforcer la capacité institutionnelle PNH pour permettre de faire face à l'insécurité et à cap valer terrain chaque jour plus dans le pays. Midray Milias et Bernard Marseille a présenté un reportage. Grâce à programme appui ça, policières et policiers bral bénéficier formation qui adaptée à nouvelle réalité.
et puis qu'a permettre à Jean yo vinn pi professionnel d'après ça responsable fait connait. Premier ministre Dr Ariel Henry qui t'a participé dans rencontre ça, t'es profité énumérer diverses qualités difficultés PNH l'a rencontré dans mission li. Chef gouvernement fait connait li essentiel pour yo faire recrutement massif dans police nationale là. Dans l'idée pour gagner une quantité d'agents en fonction, accroissement population, j'en nomme international, mandé ça. La PNH a besoin de formation continue pour mettre ses unités spécialisées en situation de répondre efficacement aux nouvelles menaces pour lesquelles elles n'étaient pas préparées. Plusieurs pays ont pris des engagements de participer à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, soit en fournissant du personnel, des équipements, des moyens logistiques ou des moyens financiers. Dans l'intervalle, il incombe à la PNH d'assurer seule, avec les moyens dont elle dispose, la sécurité de la population. Sous Bopal, responsable bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, Maria Isabella Salvador, t'a profité occasion ça pour un hommage à policières, policiers yo pour sacrifice fait dans cadre mission yo pendant le renouveler engagement yo pour aider à assurer sécurité et stabilité nation haïtienne. Il est donc essentiel de continuer à investir massivement dans le renforcement des secteurs du système sécuritaire et l'accent doit être mis en particulier sur l'expansion et la professionnalisation des forces de police ainsi que sur l'amélioration du système judiciaire et correctionnel. Directeur général AI Police Nationale, la France Elbe remercie Patnel yo pour support yo poté by PNH la. Li renouveler détermination au commandement pour mettre en application formation yo dans l'idée pour travailler la CAPI efficace. Ces réalisations vont contribuer aux efforts du gouvernement dans la poursuite d'une transformation significative de la police nationale d'Haïti adaptée aux grands défis actuels de sécurité. Représentant programme Nations Unies, Xavier Michon. Pour côté PAL, fait qu'on est. Comité pilotage ça a visé renforcer capacité police nationale là, qui a fait face à diverses qualités de défis dans le cadre de mission li, et spécialement la criminalité qui a répété chaque jour. Actuellement, le programme a atteint 28% de ses objectifs, avec le volet infrastructure représentant plus de 40% des délivrables actuels. Et nous avons plusieurs études qui sont encore en cours de développement. États-Unis, Canada, Allemagne, Japon, Union européenne, BINU, NUD, c'est ensemble partenaires internationaux qui supportent le programme renforcement capacité PNH là à travers formation spécialisée pour une police professionnelle pour servir population. Dossier conjoncture retourné dans Rivière et fois ça c'est dans jour mardi 30 janvier à côté mission multinationale pour aider rétablir sécurité dans pays a qui ont sujet dominant dans actualité a même dans niveau international. Président kenyan William Ruto qui t'a participé dans sommet Italie Afrique dans ville Rome fait connait Kenya toujours été attaché à engagement li prend pour diriger mission multinationale là dans pays d'Haïti malgré décision Rodkou Nairobi prend pour 26 janvier 2024 là pour bloquer déploiement policier kenyan yo mission capable fait dans semaine cap venir si tout document yo rempli entre Kenya et Haïti dans cadre accord bilatéral jan tribunal la suggéré ça c'est sa porte-parole président kenyan William Ruto dans une interview li bay agence Reuters mardi 30 janvier 2024 là plus loin président Ruto fait qu'on est Haïti mandé aide ça depuis longtemps dans sens ça li dit li espéré demande la arriver faite rapide dans cadre bilatéral là yon façon pour satisfaire exigence tribunal là. Selon sa président Ruto précisé condition tribunal la posé pour déployer policiers yo faut gagne un accord réciprocité entre Haïti et Kenya.
Toujours dans la journée mardi, dans un protocole accord Yosien, un programme Nations Unies pour le développement et le gouvernement pays Japon, renouveler la collaboration pour réaliser en Haïti des projets qui visaient renforcer l'état des droits dans le pays. Le premier projet a visé réduire la vulnérabilité de l'école nationale police, et puis le deuxième, nan pral gen pour réhabiliter l'espace centre de rééducation Timoun qui est en conflit avec la loi. Rodney Doléan, dis-nous plus dans un papier. Projet ça a visé une après l'autre. Réduction vulnérabilité l'école nationale police Haïtia ak réhabilitation centre éducation Timoun qui nan conflit ak la loi yo Sermikol. Pour projet qui visait diminuer vulnérabilité l'école nationale police la, l'a coûté un total $766,423. L'agence a pral renforcer GFO police nationale la ap fait pour améliorer sécurité périmètre l'école la à condition pour accueillir nouveaux stagiaires dans espace la. Selon communiqué pour la presse, le projet ça qui visait ENPA pral améliorer qualité formation l'école là, renforcer compétences force l'audio, jan nom international yo exige ça. Réhabiliter centre éducation Timoun qui nan conflit avec la loi yo, c'est objectif deuxième projet. Projet ça, selon ça nous li nan communiqué pour la presse là, pral jouer un rôle important dans ça qui concerne réinsertion jeune qui gen démêlé avec la loi yo. Communiqué a rappelé, centre ça qui construit sous une superficie 232 m2 était fait pour recevoir environ 50 timoun. Kounia, centre l'an débordé ak timoun. Mettez sous ça, gen plis passé yon centaine femmes qui étaient dans prison cabaret qui trouvé yo actuellement dans centre l'an à cause problème insécurité a. $531,291, c'est quantité l'argent deuxième projet a coûté. Projet ça pral permettre améliorer traitement timoun yo et puis ajouter 196 m2 sous espace scolaire centre. Deuxième projet a visé construire tout yon espace détention spécialement pour mesdames yo. Selon communiqué a, deux projets ça yo représenté yon avancée significative dans renforcer capacité institutionnelle pays d'Haïti dans domaine sécurité et justice juvénile. Projet sa yo pral contribuer tout nan fè promotion pou droit moun ak consolidation l'état des droits nan pays a. Pour nous faire une journée mardi 30 janvier 2024 là, nan fè un petit coup de pied nan koze ki lti. Fondation Haïti Jazz clôturé 17e édition Festival Pap Jazz Vert sous place Boyer dimanche 28 janvier 2024 là. Festival ça qui déroulé sous thème la caille nous c'est fierté nous en kembe Haïti propre. C'était occasion pour organisateurs de faire promotion pour protection environnement. Directrice générale Fondation Haïti Jazz là, Milena Sandler fait qu'on ait action chaque monde qui comptait dans quatre batailles pour protection environnement. L'était dans micro Jean-Gardi Charles avec Jean-André Chély. Pap Jazz Vert, y a un gros festival avec un gros message pour 2024. Il fait midi. Nous sous place Broyer dans la commune Pétionville, dimanche 28 janvier, nous avons assisté à l'action sociale équipe Fondation Haïti Jazz dans l'occasion du dernier jour festival annuel qui fête en baptême la caille nous c'est fierté en Kembe Haïti propre. Un thème qui a attiré en pile curiosité parce que selon un pile lot citoyen. Haïtien t'assemblé pédi notion si là nan cherché virer do bay la caille parce que nan manqué prend engagement nan faveur communauté yo espoir t'assemblé éteint. Pourtant selon animateur Jacques Bourjoli Junior nous tout connaissons sous nos caco changement nous besoin hein, c'est nous tout qui doit faire en garder tout pendant mon a parlé pays a mal si ça là puis bah ça fait moi fier d'abord que nous sont haïtiens mieux pour mobiliser moun ki la yo pour nous changer le pays, parce que finalement, nous responsables, c'est nous responsables, c'est pas l'autre monde, c'est pas suspendre ça. On commence à mettre à la patte pour nous changer le pays. Parmi un pile problème Haïti, à connaît, les affaires environnement apparaît une urgence pour chaque Haïtien. Parce que si nous pas poser bon action avec bon intelligence, ignorance nous qu'à agir dans place. Nous. C'est dans la même réalité ça, directrice générale Fondation Haïti Jazz là, Madame Milena Sandler, voyez un message pour chaque citoyen haïtien dans le micro télépublic là. Alors c'est Fondation Haïti Jazz qui a organisé le festival là depuis 2007, première édition. Pap Jazz Verlan, il existait depuis 2018, moins passé. C'est avec un pile fierté que nous réussi tourner dans Port-au-Prince pour nous faire festival hein, et puis pour nous faire promotion et environnement, promotion de la protection de l'environnement
et puis on fait des discussions sur le changement climatique, tout. Eh bien, on mettait tête nous ensemble. C'est nous-mêmes qui cap changer bagaille. Il est important pour que chaque Haïtien comprenne que c'est lui-même qui a fait en action sous environnement pâle. Malgré toute fierté, nous avons senti, personne n'a pas dit la caille propre à cause de Fatra qui tournera dans chaque cafou dans la rue Port-au-Prince, il y a une image qui baille tête fait mal. Tête fait mal à chaque grain citoyen authentique et patriote, c'est comme ça. Moléus Jean-Jacques, nous connaissons mon Atisli, Jacques Attac, parlez. Pour ça changer. Pensez à déchouquer Fatra dans le pays, mais pour nous commencer, c'est ou même pour commencer d'abord, et pour commencer la caillou, la façon que vous pouvez consommer, la façon que vous agir, c'est ça qu'on dit. Là, on est nous-mêmes, qui ça nous fait? Qui ça nous décide de faire? Parce que si nous décidons pour Haïti propre, il ne peut pas commencer seulement à partir de l'État, mais il faut qu'il commence à partir de nous-mêmes, qui sommes citoyens, qui sont conscients que le pays n'est pas bon, gens, un pays trop sale. Pour nous faire ça, nous devons faire. De l'autre côté, changement nous besoin doué. Commencer à travers les enfants qui sont avenir. Avenir monde. Mais si tout, avenir pays. Et pour ça, ingénieur forestier Vanessa Saint-Jean fait un appel à tous les parents qui rêvent vivre dans l'autre environnement. Regarde, donc, qui fait on fusionne quand même l'activité de protection de l'environnement avec le Pape Jazz pour mieux véhiculer le message. Déjà, c'est une mission que moi-même, je bats tête, moi, en tant qu'ingénieur forestier, pour me capable d'impliquer davantage en tant que citoyen tout dans la question de protection de l'environnement. Changement haïtien et reposer sur Timounio, mais en même temps, Timounio, il faut que je joue un modèle. C'est parents yo qui pour servir de modèle pour justement demain si moun sa capable et venir en modèle dans affaire environnement, les affaires pollution, c'est un gros causé parce que en pile énergie n'a pas utilisé fait plus mal que bien à climat qui gagne en pile richesse là-dedans tant que oiseaux nou yo sous l'eau nou yo bête nou yo et la trier dans souci pour nous gagner un monde durable directeur Palmis Energia Jean-Faou Guerrier Abdi qui importance énergie renouvelable gagne automatiquement nous changer habitude produit n'a utiliser nous tout n'a aider tête non n'a aider famille non et petite non a capable rester vivre dans pays et pas quoi gagne pays qui plus belle tant que pays noir Pape Jazz Vermandé est-ce que nous pas conscient ou bien n'a quitter environnement mourir devant yeux conscience non. Nous avons ouvert la journée mercredi 31 janvier 2024 là, à cause de l'éducation. Côté directeur général Fonds national éducation FNE, Jean-Ronald Joseph, qui présentait mercredi 31 janvier 2024 là, bilan travail institution depuis existence li dans l'année 2017. Selon bilan ça, plus passé 6 milliards gouttes dépensés pour 52 chantiers infrastructures et scolaires à appui financier pour plusieurs milliers écoliers et étudiants capables de continuer étudier dans le pays d'Haïti ou bien dans le pays étranger. Numéro 1 FNEA fait qu'on ait une perspective pour l'année 2024 là, c'est construction 20 chantiers infrastructures et scolaires. Entendez les précisions Jean-Ronald Joseph dans le micro, Fedner Confident avec Michel Joseph. De date font exister à jeudi, nous avons 52 chantiers d'écoles qui construisent en deux pays. Dans les 52 chantiers, nous avons déjà inauguré 11 écoles, nous avons 16 écoles qui sont en attente d'inauguration. Et nous avons 24 chantiers qui sont en cours d'exécution. Dans 24 chantiers qui sont en cours d'exécution, ça, nous avons 15 là-dedans qui sont situés dans le Grand Sud. Ça, c'est projet de construction d'écoles post-séisme 14 d'août 2021. C'est-à-dire 24 constructions d'écoles à Rome, ils ont lié directement à partir de août 2021 à date. Ensemble de constructions à Rome, nous avons un chiffre qui est décaissé pour eux présentement. Nous avons un chiffre qui est décaissé, c'est 2 775 914 120.36 centimes. Qui décaissé pour ensemble de projets de colza. Ça qui est inauguré, ça qui est en attente d'inauguration et ça qui est en cours d'exécution. De arriver dans le fond, que y a un ensemble d'éléments en termes d'innovation moins poutés. Il y a un élément, l'MTI Vinicia a gagné en coopération Fonds national de l'éducation gagné avec Corpua. Corpua, c'est une coopération avec ensemble d'universités privées
qui en Haïti. Et coopération ça gagne 4 ans, nous gagne environ 1500 étudiants boursiers là-dedans. Et de 2020 à 2024, nous déjà décaissé 285,5 millions gourdes pour COPUA. Bon, ensemble d'étudiants qui ont demandé appui, ça quoi là, doctorat, études à l'étranger, en maîtrise. Ce qui fait que nous avons développé une ligne, une enveloppe budgétaire pour que ce soit ça, qui vient faire que nous avons 229 étudiants qui ont appui pour aller étudier à l'étranger, dont dans 16 pays différents. Et l'enveloppe qu'il y a avec montant ça, c'est 133,157,717.11 centimes. Le gouvernement va lancer 20 nouveaux chantiers. Et 20 nouveaux chantiers ça dans l'aire métropolitaine. Et 20 nouveaux chantiers ça dans l'aire métropolitaine, c'est FNE qui cap libli avec fonds du trésor public. 20 nouveaux chantiers ça, nous sommes situés sitio. Et présentement, nous sommes en phase pour nous passer à études géotechniques, c'est-à-dire pour nous sol, pour nous évaluer qui capacité nous avons, est-ce qu'il y a tel type de construction ou pas, c'est dans le niveau d'avancement ça nous lié à projet ça. L'autre élément, nous avons tout qui est lié avec ce exercice-là, 20 nouveaux établissements, c'est le projet construction d'école parfaite sous 2 mois, 3 mois construction. C'est le projet quasiment qui doit échelonner sur quasiment 2 ans. Nous avons toujours été dans le dossier FNEA, côté directeur général Fonds national éducation. Jean-Ronald Joseph déplorait incident entre employés et institutions qui traitaient sous place publique. Ce qui contrait à la loi administration publique, là, d'après sa directrice, a précisé. Dans une conférence pour la presse mercredi 31 janvier 2024, là, Jean-Ronald Joseph fait qu'on ait tout bagaille sous contrôle. Il arrive à récupérer toutes données institutionnelles, cougner à coût supérieur des comptes, à contentieux administratif, qu'à traiter dossier ça. L'économie court fait d'un confident avec Michel Joseph. On suit. Porter quelques éléments de clarification pendant 2 dernières semaines. Par rapport à ensemble les incidents qui étaient regrettables qui passaient par vos employés institutions et côté sur les réseaux sociaux et par ci et par là, ensemble d'allégations qui sont à la fois mensongères, diffamantes, sexistes, machistes à l'écart des cadres de l'institution qui ont passé sur les réseaux. Malheureusement, c'est regrettable ça qui passe là, mais le fond du question, c'est que nous arrivons à bien contrôler toutes données, tous fichiers. Fichiers qui étaient perdus à partir des données, nous reconstituer, c'est-à-dire tout fonds, tout élément donné de gestion et journal de banque. Là. Et question d'État pas traité sur la place publique. Il y a des fautes administratives, la traiter de manière administrative et judiciaire. C'est-à-dire tout ce qui a parlé sur les réseaux et fait tourner. Il dit c'est totalement faux et archi-faux par rapport avec la question du fond. Dès qu'il s'agit de questions d'État, l'État mettait de l'institution de mécanisme pour résoudre ce soit. D'où il y a la Cour des comptes, comme institution qui gère le conflit entre employés, qui dit mais qui ça gagne comme recours et qui ça la justice doit faire dans la question ça. D'où présentement, question qui est liée à un problème informatique là, et institution gagne contrôle, nous gagne contrôle tout système informatique, non? Toutes données nous là, pas toutes données nous là en tant que tel, fichier qui est garé à nous reconstituer avec expertise et maintenant dossier à la main administrativement et la justice cap traité pour les suites. Toujours dans la journée mercredi, on a fait un petit coup de pied dans le dossier justice côté responsable association professionnelle magistrat APM, association nationale magistrat haïtien ANAMA, et collectif défenseur plus réagit mercredi 31 janvier 2024 là sous série nomination gouvernement fait pour juge et juge instruction dans différentes juridictions dans le pays. Président ANAMA salye cohorte magistrat sa yo pendant li di li estime yon dizaine juge ak juge instruction pacifi pour répondre ak défi système nan. Midray Milias ak Ledie Dieudonné ap di nou plis nan yon reportage. Salye arrivé première cohorte magistrat sa yo nan divers juridictions ki bezwen yo. C'est parole président association nationale magistrat haïtien yo ANAMA, maître Jean-Wilner Morin.
Toutefois, li di li pas satisfait parce que c'est pas quantité magistrat sa yo qui te mande promotion. Je crois que CSPJ a une liste en préparation. Donc liste yo a jeune exécutif là et que dans l'immédiat est capable de procéder à la nomination de ses juges et aussi au renouvellement des mandats, ce qui pourra permettre que les différentes juridictions qui ont même un problème là parce que pas gain de juge qui pour siéger ni pour faire instruction, il est capable de suffisamment de juges qui vous permettent un tribunal yo rouler, yo fonctionner. C'est presque même réaction bon côté président association professionnelle magistrat yo APM maître Martel Jean-Claude qui félicité collègue magistrat yo qui joignent promotion yo. Li encourager yo continuer mettre yo dans service justiciable yo. Pi loin, maître Jean-Claude fait connaître Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ te fait un bon travail et en pile dans magistrat sa yo te certifié. Non sans ça, li pa gen doute sur moralité juge sa yo. Nomination sa yo, c'est des nominations et qui fait suivant des procédures qui établies par la loi. Et c'est le CSPJ qui lui-même a déterminé qui monde qui apte à remplir la fonction de juge en Haïti. Co-directeur collectif Défenseur Plus là, maître Antonal Mortimer, sous Bopal, pas traité indifférent sous nomination juge. Pour lui, demain ça yo pas régulier, yo pas fait selon la loi parce que d'après Mortimer, nomination juge c'est attribution président République là. Ça va gagner impact sous système judiciaire d'après ça le fait qu'on est même les juges sérieux mais depuis bah là pas respecter la loi bon comme défenseur comme juriste nous toujours voulons que l'État fonctionne dans l'égalité et pour juges indépendants par rapport avec divers dossiers qui a traité. N'a pas rappelé nomination juge ça yo arrivé dans un contexte côté te gen pile inquiétude sur éventuel dysfonctionnement tribunal yo à cause mandat juge qui arrivé dans bout yo sans compter l'autre qui parti qui te pays ya. Toujours dans dossier justice, réaction au pas suspendre sous cause nomination Jijo, collectif avocat pour défense droit monde cadeau exprimé position li sous débat qu'a fait depuis quelques jours par rapport à mandat juge à juge instruction yo. Directeur exécutif cadeau maître Arnel Rémy fait qu'on a une vie juridique dans texte loi yo sous mandat juge instruction yo parce que la loi pas précisé qu'il est exactement yo commencé. Avocat a cité des références pour justifier position liant, licité article 174 Constitution et article 34 Code instruction criminelle qui pa bay trop précision sous dire mandat juge instruction yo. On écoute plus explication dans micro Lunel Jean-Louis ak Lydie Dieudonné. Vini dans gros conférence de presse. Alors premier point nous pral évoquer dans conférence c'est qu'est-ce qui rapport fin mandat juge. Nous pral essayer analyser ensemble faire des recommandations, proposer des solutions pour éviter que le problème soit présenté. Et deuxième point, c'est le civil cabaret que bandit prend. Et troisième point, on pense ça qui a un rapport avec la question situation conjoncture paysan, parce que grand monde qui est victime en un moment, et puis de une issue incertaine, donc avenir paysan incertain. Et il y a deux autres points qui ont rapport avec la grève griffier que c'est maître qui va l'aborder. Et puis, qui ont rapport avec un incident qui est arrivé, nous, comme avocat, dans le bureau régional de l'Ouest. Un délinquant, on voit qui fait attaquer nous, donc il y a maître principal qui évoque ça. Et puis, on dit qu'il y a un procédure qui a fait et même mandat qui est bandit ça. Alors, premier point rapidement, c'est qu'il y a un rapport avec le mandat qui a fait parler de lui dans ce moment-là. Normalement, je vais évoquer deux textes de loi. Deux textes. Premièrement, c'est l'article 174 qui dit que les juges de la Cour de cassation des cours d'appel sont nommés pour 10 ans. Ceux des tribunaux de première instance sont nommés pour 7 ans. Maintenant, leur mandat commence à courir à partir de leur prestation de serment. Attendez bien. Mandat juge ça a commencé à partir de prestation de serment. Maintenant, l'on a l'article 44 code. Il dit que les juges d'instruction sont nommés pour 3 ans par le président de la République.
Ces dossiers conjonctifs qui ont fermé le journée mercredi 31 janvier 2024, le secrétaire adjoint américain pour les affaires hémisphère occidental, Brian Nichols, fait qu'on est États-Unis condamné comportement monde qui a cherché à déstabiliser le pays d'Haïti pendant qu'il a renouvelé l'engagement pour le déploiement de forces multinationales pour aider à rétablir un climat de sécurité dans le pays. Brian Nichols précise que le pays États-Unis était engagé pour le déploiement d'une mission multinationale pour supporter la sécurité dans le pays d'Haïti. Puis loin, le secrétaire adjoint pour les affaires hémisphère occidental l'a fait connaître. Élection crédible, c'est plus bon chemin pour gagner stabilité qui durable dans le pays. Information qu'a ouvri journée jeudi 1er février 2024 là, c'est un protocole à Cossien jeudi 1er février 2024 là entre police nationale d'Haïti, NUD, ONU et Union européenne dans cadre projet pour appuyer police nationale là. Dans occasion en représentant chaque institution yo renouvelé engagement yo pour combattre insécurité hein, et puis continuer faire promotion pour état des droits dans pays là. Lionel Jean-Louis et Lydie Dieudonné pour un compte-rendu. Appuyer gouvernance administrative et financière PNH là, renforcer effectif policier yo, améliorer services fondamentaux yo dans institution, c'est quelques parmi composantes dans cadre projet ça. Ministre justice et sécurité publique là Emily Prophète Milsé déclaré c'est un grand pas dans lutte contre criminalité dans pays a. Nous le savons tous, il est illusoire d'aspirer dans les circonstances présentes en Haïti à une sécurité permanente et à la protection efficace de la population haïtienne sans une professionnalisation de la police nationale d'Haïti. Il faut comprendre que l'application de la loi, le respect et le maintien de l'ordre public constituent l'essentiel de la mission des services de police. Des consultations sont en train d'être menées, des décisions sont en train d'être prises pour conduire le pays vers des élections générales qui doivent être propres, libres et inclusives comme l'exigent les principes démocratiques. Pour y arriver, il faut de la confiance, il faut des garanties de sécurité. Directeur général police France LB salue j'ai fort partenaire dans cadre programme ça qui d'après lui pral permettre PNH la plus efficace face à nouvel environnement sécurité pays a. Chef police là bay garanti institution pral bien utiliser bien ak moyen y après se voir dans cadre projet si là. Nous renouvelons tous notre ferme engagement infaillible à faire de la police nationale d'Haïti une police beaucoup plus professionnelle, respectueuse des droits humains et des principes de l'état de droit démocratique. À tous nos partenaires et donateurs, nous donnons la ferme garantie de faire un usage responsable des biens, des moyens mis à notre disposition par l'élaboration d'outils et de mécanismes de contrôle appropriés. Représentant spécial Nations Unies dans le pays d'Haïti, Maria Isabel Salvador, bon côté PAL a déclaré fonds commerce qui déjà fait un partenaire a permettre non seulement yo combattre sécurité mais tout bay plus résultat dans mission yo. Yo l'autre bon représentant programme Nations Unies pour développement dans pays d'Haïti Xavier Nochon souligné importance initiative ça qui visait aider l'état chercher solution à crise là. Li rappelé la police ak la douane joue un rôle important dans fonctionnement état des droits dans pays a. Malgré les efforts consentis jusque-là par la PNH, force est constatée que la problématique de l'insécurité et de la criminalité transfrontalière demeure une préoccupation majeure pour l'ensemble de la population haïtienne. Plusieurs actes et auteurs criminels échappent encore au contrôle de la police et de la douane. Face à ces enjeux, le PNUD, ensemble avec ses partenaires des Nations Unies, ont mis en place un programme de support à la PNH, axé à l'amélioration de sa gouvernance, sa modernisation, le renforcement de sa présence à travers le pays grâce au développement des infrastructures et le renforcement de ses capacités opérationnelles. Cette généreuse contribution renforce notre capacité à soutenir la PNH dans ses efforts de lutte contre la prolifération des armes et munitions ainsi que la criminalité en général. Le programme conjoint d'appui à la PNH, fruit de la collaboration entre les autorités nationales présentes, l'Union européenne, d'autres partenaires tels que le PNUD et l'ONUDC, ainsi que le BINU et sa composante de police,
illustre la complémentarité des avantages comparatifs de nos divers partenaires en Haïti. 3 millions d'euros, c'est le montant qui est fixé pour réalisation du projet SAA qui vise à renforcer la capacité de la police nationale là, et puis faire promotion pour l'état des droits dans le pays, d'après l'ambassadeur de l'Union européenne, Stefano Gatto. J'ai noté annonce l'aime de fin cap commencé à qu'on y a nous parler de dossier insécurité pour trois derniers mois en année 2023. Quantité violence l'a augmenté selon rapport bureau intégré Nations Unies en météo pour dernier trimestre année 2023 dans sa qui gagne pour avec situation violence dans le pays d'Haïti. Quantité monde qui mourit, blessé et puis kidnappé augmenté 8% par rapport à trimestre avant. Selon représentant secrétaire général Nations Unies Haïti, Maria Isabel Salvador, volume insécurité ça menacer stabilité pays à bien-être citoyen sur tout territoire. Dans rapport 3 derniers mois, il présenté par Conseil sécurité Nations Unies, Bini encouragé communauté internationale à mettre accent sur déploiement mission multinationale là sur territoire haïtien pour permettre toute bagaille retourner dans l'ordre. Toujours dans le dossier insécurité, victime cap couru depuis mardi 30 janvier 2024 là pour chaper en bas violence nèg ak zam nan peigné tosel ou frère ak zlot zone qui environne lyo aller réfugié yo nan lycée Joseph Bernard sou ou frère youn parmi déplacé yo qui était nan micro Pierre Daniel Lamartinière t'a expliqué situation difficile yo vive pendant dernier jour sa yo li profiter mande autorité yo ak moun ki vle aider pour faire solidarité ak yo pour yo ka joindre moyen pour vivre en attendant yo retourner la kayo on suive mardi ki sot passé la kote te gen pile turbulence à travers des communes Pétionville précisément nan Tosel nan Peigné et bas Fatima kote ke gen des individus armés qui te vinn laguer peuple la nan kouri y a pour passer par là et gen pile victime qui fait bon côté peuple la tout. Laisse à tout le monde pas pas venir en mesure de sécurité et puis j'étais obligé venir dans l'école nationale là pour être capable venir réfugier yo et me capable témoigner tout gien un enseignant qui était apsikilé qui ont rencontré avec elle qui t'a parlé un petit monde l'école qui ont pété des grenjel et gien l'autre monde tout qui ont arraché qui ont boulé tout ça dans moment là nous capable dire gien en pile monde qui en dans l'école nationale là côté que gien en pile petit monde gien en pile femme enceinte et gien pile monde qui dans cas de nécessité monde ça c'est des monde qui quitter la caillou pied à terre c'est des monde qui quitter la caillou sans manger. C'est des gens qui ne peuvent pas mettre. Dans le moment, nous avons lancé un SOS avec tout le monde de bonne intention qui est capable de venir supporter les gens de monde. Parce qu'ils ont le besoin. Qui espoir nous capable de venir dans le pays? Je pense que c'est l'irritant. Nous avons annoncé tous les jeunes qui sont dans le pays en prise de conscience. En nous faire ce qu'il faut pour nous capables de tirer dans ce qu'il y a. Ces dossiers mobilisation qui a mis fin à la journée information pour jeudi 1er février 2024. La. Responsable parti politique engagé pour développement aidé Claude Joseph a annoncé 3 journées mobilisation sous plusieurs départements dans le pays. La. Série mobilisation sa yo cap démarré 5 pour arriver 7 février 2024 a fait dans l'idée exiger des par chef gouvernement. Claude Joseph est dans le micro TNH. Dans seule année 2023, il y a plus que 5 000 personnes qui mourent. C'est déjà plus de monde passé la guerre Ukraine avec la Russie. Dans seule année 2023, il y a 300 000 personnes qui sont déplacées et qui ont quitté la caille. Ils n'ont pas de côté pour dormir. Les filles et les femmes qui ont violé. La classe moyenne qui n'est pas finie. Peuple haïtien pas capable. Dans ce sens, parti politique aidé et plusieurs autres organisations partenaires décidé dans le département sud du pays lancer mobilisation 5, 6, 7 février 2024. Dans le département centre, dans le département NIP, dans le département nord-ouest, dans le département nord-est et la Trier. Lundi 5 février, quand vini là, à 11h du matin, parti politique aidé invité peuple haïtien dans une grosse mobilisation devant Primati sous Boudon Kafoumissou. Pour nous dire, monsieur Ariel, temps fini. À
Actualité pour vendredi, on a démarré avec dossier construction côté une équipe technicien accompagné coordination projet territoire productif résilient TPR ministère agriculture et environnement a dirigé visité 18 janvier 2024 là chantier construction mi protection à rebord rivière froide dans en Savo. Travail construction ça c'est une initiative gouvernement Ariel Henry à travers ministère agriculture ressources naturelles et développement rural et ministère environnement. Projet ça qui est en main depuis novembre 2023 doit permettre reprofilage et puis nettoyage à rebord rivière froide pour capable protéger population locale là qui souvent victime inondation pendant saison la pluie dans Orouk, une localité dans en Savo. Nous faisons un coup de pied dans le dossier diplomatie côté Marco Antonio Penin Toledano, c'est nouveau ambassadeur d'Espagne en Haïti. Nouveau diplomate l'a remplacé Sergio Cuesta Francisco qui revient dans bout mission li. Marco Antonio Penin Toledano, c'est un diplômé en droit et sciences politiques. L'été tombé carrière li dans diplomatie dans l'année 2008 comme ambassadeur d'Espagne dans Afghanistan. Nous sortons dans la diplomatie, nous prenons en coopération côté directeur général de la police nationale, la France LB, recevoir jeudi 1er février 2024 là, dans le local direction générale PNH, là, une visite courtoisie, chargé d'affaires américains en Haïti, Eric Strohmeyer, avec responsable sécurité ambassade là, Stephen Trackland, contexte général PIA et spécialement en situation sécuritaire, tenant échange entre diverses personnalités. Dossier conjonctif toujours dominé revue pour semaine ça secrétaire général parti politique petit Dessalines Moïse Jean-Charles annoncé vendredi 2 février 2024 là une mobilisation pour changer situation pays a ancien candidat pour poste président invité toute couche dans société a rejoindre parti lien dans lite là et puis fait connait li parler avec plusieurs autres leaders qui sorti dans différents autres partis politiques pour présenter un plan qui permet le pays à retourner dans la normalité. On suit un extrait dans le micro TNH. Ou bien nous à genoux, ou bien nous debout. C'est ça fait. Papa, c'est pas quatre chemins. Ou on parle aujourd'hui, c'est mobiliser payant. Parle avec tout payant, tout leader. Nous gagnons pour un gouvernement qui parle de 18 mois, pour le mettre là pour le payant, pour nettoyer tout ghetto pour la sécurité. Et là, on finit. Il y a un conseil électoral pour nous organiser l'élection dans le pays. Nous allons diriger Gade Université en Haïti, plateforme étudiant l'État remet prix et certificat à divers étudiants dans l'Université l'État d'Haïti, UEH, dans plusieurs disciplines sur tout territoire national là, vendredi 2 février 2024 là. Une initiative qui prend dans l'idée pour récompenser et puis encourager motivation étudiant yo pour touche personnel yo poté dans UEH là sous plan national tant qu'au international. Midra Emilias avec Lédier Dieudonné a dit nous plus en suivre. Honoré étudiant qui dans université l'état yo pour effort individuel à collectif yo. C'est principal objectif initiative ça. Qui pi loin bral rend jeune université sa yo vin pi excellent d'après responsable yo nan plateforme étudiant l'état recteur UEH la Fritz Desormes nan discours circonstance li pat caché satisfaction pour réalisation activité ça professeur Desormes salue générosité ak créativité jeune étudiant yo qui mettait sous pied des masses ça malgré fuite cerveau pays a connait dernier jour sa yo un groupe de jeunes décide de se dédier à la recherche du meilleur, du grandiose, de l'exceptionnel à l'intérieur de notre communauté, à l'identification des talents les plus remarquables et les plus prometteurs pour les porter à notre connaissance. Ça ne se voit pas tous les jours dans notre université et dans notre pays. Vice-coordonnateur plateforme étudiant l'État, Moïse Vertilus, expliquait plateforme ça a permis toute UEH la connecter.
Étudiants en sciences juridiques l'a dit, yo rendent compte li important pour yo rassembler dans tout recoin dans pays a. Depuis sa création le 2 mai 2022, la plateforme Étudiants l'État s'est aventurée dans plusieurs domaines de la vie étudiantine, que ce soit avec les postulants qui rencontrent des difficultés pour s'inscrire en ligne au traditionnel concours de l'UEH ou en promotant gratuitement les initiatives collectives et personnelles des étudiants et des étudiantes. Responsable direction vie étudiante dans UEH là, Gérald Jean félicite responsable yo dans plateforme étudiant l'état yo pour courage d'esque yo pas jamais abandonné projet ça malgré situation difficile pays a. Li encourager yo continuer engager yo dans bataille là parce que changement c'est nan yo lié. Depuis l'année dernière, la plateforme étudiant l'état récompense les étudiants méritants en fin d'année selon les critères de mérite. Ce prix permet de valoriser l'importance des initiatives prises par les étudiants, non seulement la capacité d'innovation, de leadership et d'engagement communautaire, mais aussi la persévérance, la détermination, sans oublier l'implication de ces étudiants dans la vie universitaire, dans ces actions solidaires et citoyennes. C'est la première fois plateforme étudiant université l'État réalisé une activité pareille depuis l'existence nan date 2 mai 2022. Ce dossier de dégapissement qu'a fermé revue pour semaine ça, Sibtiti commissaire gouvernement dans tribunal première instance Port-au-Prince, mais gentil souvenir on mettait dehors jeudi 1er février, plusieurs monde qui était occupé illégalement caille dans Vivi Michel. Commissaire souvenir dénoncé un faux document, il dit c'est lui-même qui baili pour une série monde capable voler caille monde dans Vivi Michel. Dans sens ça, mais gentil souvenir menacé pour traîner tout le monde qui dit qu'il y a des faux documents devant la justice. Yon extrait dans le micro, Michel Joseph. Gon ordre qui a circulé dans la rue, ordre là, li sans tenant, li sans aboutissant, li sans indication, li sans le nom du propriétaire. Monsieur a marché, mette mon dehors, vie Michel dans la caille privée. Yo. Et puis yon dit ses signatures. Yon a le bord de GI, yon imite signature, yon a fait le public. Parce que yon a imité signature tout le monde. Moi-même, ignoré, moi annulé, et puis me débarquer, mettre tout le monde qui est dans le camion dehors. Vu que dit ces signatures qui étaient balis, moi ignoré, je ne vais pas mettre dehors. Ok, c'est pour la famille Blémir, mais le grand frère qui représente, il vient avec lui, ignorer les signatures, mettre tout le monde dehors. C'est un trac. N'est-ce pas grand, il n'y a pas fait, il y a qu'à prendre deux signatures, et moi ignoré, gentil souvenir tout le monde connaît, moi, de tous les avocats qui sont dans le parquet, qui reconnaissent moi, je ne vais pas signer un acte qui n'a pas été tenu, qui n'a pas été aboutissant, qui n'a pas été non mettre lui sous lui. Qui pas gain pièce référence pas gain indication sous lui puisque ak la il fait mal l'a causé me préjudice avant mettre action publique en mouvement moins bloquer moins rétracter moins annuler la puis venir mettre pour dehors après ça m'a fait procès judiciaire yo mettez leur requérant par contre qui est si yo te vin clair devant yo t'a mettre non moun non yo t'a mettre non moun yo te mettre dehors son soi-disant spoliation et mandé les non spoliateurs pas gain mandé les non propriétaires pas gain yo dit m'gain l'autre toujours. Depuis sous même ordre, qui était, il m'a mis en date, émis 19 décembre 2023, soi-disant signature, commissaire Gentil Souli, m'a annulé tout et m'a mis tout le monde avec Faka. L'aime paraît, moi, m'a mis jugement exécuté. Mais sous fond acte faux, ou mettez spoliation, sous dispoliation, pas qu'à mettre jugement exécuté. Comprenez? Juste, nous concevons ça très mal, nous débarquons sous les liens pour protéger l'homme. Pour me protéger, non, je débarque en personne. Le commissaire Gentil Souvenir, pas de bail, ordre, je viens m'annuler, ça a écrit sous nom, non, en attendant, je fais poursuivre. C'est là que nous mettons fin à la revue pour semaine. Il faut que nous disions que la revue ça n'est pas privé possible sans collaboration de toute équipe dans la télévision. Merci à DG nous, merci à DI nous, merci à Ville Sekenli, merci à Bernard Marseille, merci à Richelson Guerrier. Merci à Madame Véronique Cadet et merci spécialement à vous-mêmes, amis téléspectateurs, qui te prend soin pour te suivre Revue pour semaine ça. Nous cassons rendez-vous le week-end prochain. Que n'importe les web suivre Revue ça, nous souhaitons passer une bonne semaine et un bon mois février.